Rebelle à
vous rapprochez de nous quand même. On se sent pas un peu moins seul. Rapprochez-vous. Il y a de la place, les derniers se mettront derrière. Voilà, entrez, entrez. Et je pense que là, je vais peut-être... C'est comme au cinéma. Bonsoir à tous, chers amis, chers camarades. Je suis élue ici depuis 1983 et j'échangeais tout à l'heure avec une habitante de Saint-Apollinaire qui me disait « ça fait chaud au cœur de vous trouver ici ce soir, c'est pas souvent hein, ». Donc on en profite. Donc je vous accueille dans cette salle tabourreau des accords. Alors beaucoup m'ont posé des questions sur cette salle. Bon, petite digression, il faudrait qu'on remonte au XVIe siècle hein, pour savoir qui était... Étienne Tabourreau des accords, donc rassurez-vous, on ne va pas regarder derrière nous, hein, on est là pour construire l'avenir, car comme disait Woody Allen, eh bien, on s'intéresse à l'avenir, hein, vu que c'est là qu'on a décidé de s'installer jusqu'au restant de nos jours. Donc, mais la symbolique est forte quand même pour ceux qui aiment l'histoire, parce que sur les emblèmes de Tabourreau des accords, de la famille Tabourreau, il y avait trois tambours. Trois tambours, parce que le tambour est l'instrument qui s'accorde le mieux avec les autres instruments. Et je pense qu'à la Bastille, il y en avait à des tambours, il y en avait aussi à Lille, à Toulouse, et il y en aura encore bientôt à Marseille. Car notre front de gauche, c'est un mouvement profond, et qui ne cesse de grandir, et qui s'enracine dans le paysage politique, et pour longtemps. Nous sommes, mes amis, mes camarades, à quelques jours du 22 avril, et la progression de la gauche... Actuellement, la progression de toute la gauche, c'est la dynamique du Front de gauche. Le Front de gauche, c'est... On a travaillé tous ensemble et on continue de travailler pour faire connaître notre programme. L'humain d'abord. L'humain d'abord avec Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, que vous venez d'apercevoir. Il n'a pas pu l'accueillir ici, hein, c'est trop petit pour lui, hein, bien sûr. Bon. Voilà, on a essayé, mais c'est vraiment trop petit. Hein? Bon. Mais avec Jean-Luc et avec tous les candidats des législatives, parce que la force du Front de gauche, depuis le début, ça a été de dire qu'on mènerait de front les deux campagnes. Et tout à l'heure, je vous les présenterai, bien sûr. Alors, pour la Côte d'Or, pour faire très très vite et leur laisser la parole, le Front de gauche, c'est, par ordre alphabétique, le mouvement des alternatives, la FAS, Fédération pour une alternative sociale... et écologique, l'AGU, la gauche unitaire, l'EPG, le parti de gauche, le PCF, parti communiste français, et en Côte d'Or, Solidarité 21. Donc des partis, des mouvements, mais pas que, aussi tous les citoyens, toutes les citoyennes qui veulent se joindre à nos assemblées et qui continueront à se joindre à nos assemblées citoyennes. Sont intervenus bénévolement. Caroline Philibert, qui nous a fait bénéficier de ces vidéos que vous avez appréciées, que vous allez encore apprécier. Je crois que... j'oublie pas non plus tous les copains, tous les camarades, et la régie François là-haut, qui en a bavé en début d'après-midi. Bravo!
Et aussi Monsieur Charlot, qui est le monsieur qui a fait toute la soirée avec nous de la mairie de Saint-Apollinaire, que je remercie grandement, car il faut vous dire juste pour la petite histoire que nous l'avions déjà dérangé beaucoup, parce qu'au départ, tout au départ de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on avait pensé pouvoir l'accueillir ici, mais bien sûr, on n'a pas pu, c'était, je vous l'ai dit, trop petit. Alors, il nous avait déjà donné beaucoup, beaucoup de renseignements, et donc je le remercie vivement de votre part. Des applaudissements aussi pour Monsieur Charlot. Du phare et les champs. Résistance jusqu'au bout et tant qu'une voix ne nous manque, le 22 et même au mois de juin. Ben maintenant, si vous voulez chanter autre chose, hein, vous êtes libre. Hein, tellement banal de parler de paix de fraternité quand des SDF traînent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, les leurs remettra sur les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal vient plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 Bonjour. Alors, il y a de la grève. Ça fait que ça commence pas. Ouais, à ouais, moins qu'il fasse comme le verrou, hein. J'ai pas bronzé. Jeudi midi. La salle des fêtes était toujours en état, comme j'ai essayé de lutter pour la vie. Oui, c'est ça. Hé, Fredo, je te ferai remarquer que le pognon que tu m'as fait.